Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de la chaîne box de novembre. On est déjà en novembre et donc c'est la troisième chaîne box qui sort, hein, commandable sur chainebox.fr. Et donc vous avez une chaîne box mystère, hein, voilà, vous avez le petit lien qui est là, si vous ne savez pas, là en bas, chainebox.fr, hashtag Chainox. Donc n'hésitez pas sur Instagram, même pour ceux qui l'achètent, à utiliser le hashtag. Du coup, ben dans les produits de novembre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir? Moi j'ai une petite supposition sur le fait que ben pour moi, novembre est égal au fait qu'il tombe, on approche de Noël, tout ça. Peut-être des petits indices par rapport à Noël. Je sais pas du tout, mais j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Alors on va l'ouvrir. Let's go. Alors. Bon, comme toujours, on a le petit truc là avec le petit truc mignon. Hein, le petit cache. Délicatement. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Oh là là. Oh putain. Waouh. Des sleeves, mais elles sont classe. Yu-Gi-Oh! Officiel OCG, hein, bien évidemment. Duelist Card Protector. Donc voilà, deux protège cartes. Elles sont super mal. C'est un violet qui est super beau. C'est un violet qui est magnifique. Ensuite, nous avons... Oula. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Un Flex Folio. Ah, c'est un mini protège carte. Pocket. On peut mettre... Ah, c'est cool. On peut mettre 20 cartes du coup dedans. Ça fait un petit, quand même, petit, c'est rigolo, c'est assez rigolo, ça peut être pas mal, pour, je sais pas trop pourquoi j'ai des petites idées qui fusent dans tous les sens, mais voilà. Ah, c'est un pins, ouais, c'est un pins, Kaiba Corp, et ça c'est cool. Des petits produits comme ça, Yu-Gi-Oh! Qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est vraiment le petit plus de Chainbox. C'est pour ça que j'adore avoir... Mais attendez, oh putain, on a été gâtés. Un autocollant à Yumi. Un autocollant, alors, un autocollant porte-clés. C'est original. Alors là, on a le lien de l'artiste, j'imagine. Nurglish. C'est rigolo, la tête qui fait. Ok. Ensuite, alors, un impact du chaos en édition spéciale, hein, bien évidemment, avec les 3 boosters plus les cartes promo. Et... Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc que ce produit? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh là là. Alors là, ça va être cool pour aller faire des petites courses. Alors ça c'est grave cool. C'est un sac. Un sac Chainbox. Ça permettra de faire sa pub lorsqu'on va acheter des produits Yu-Gi-Oh! En boutique ou autre pour la Chainbox. Donc voilà. Ça fait classe, non? Ah, c'est pas mal. C'est pas... Et du coup, dessus, on peut accrocher le pins. C'est ça qui est cool. On va pouvoir accrocher le pins dessus. Bon, hein, c'est un sac. Moi, je vais l'utiliser parce que ben, du coup, j'ai pas de petit sac. Et en plus, ben, il se plie. Il se met franchement facilement, même dans ma sacoche. Donc, c'est nickel. Du coup, ça fait pas mal de produits sympas. Je veux dire, un pins Kaiba Corp, c'est pas commun. Des protège-cartes comme ça aussi, j'ai pareil. Par contre, le Flex Folio, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas que ça existait. Et l'utilité, ben, du coup, dedans, quand on peut mettre 20 cartes. Faut en mettre ces petites cartes de cœur, ça fait un petit portfolio. Vous savez qu'on est dans le coffre-fort, c'est comme ça que j'imagine le truc en fait. Et l'impact du chaos. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Impact du chaos, j'en ai ouvert. Oula, une paire. Mais. Aïe. Oh, je viens de me niquer en ouvrant. Ah, je me suis ouvert le pouce en ouvrant. C'est la première fois que ça m'arrive en ouvrant du carton. C'est déjà arrivé avec du papier, mais du carton. Ah. Bobo. Ça veut dire que dedans il y a du truc puissant. Si ça va jusqu'à me blesser. Alors, en carte promo, nous avons... Oh, Shogun de combat des 6 samouraïs. Et la deuxième, c'est... Oh, c'est une carte piège. Appel à l'arsenal. Yes. Ok. Ok, sympa. Ben, le Shogun de combattant des samouraïs, why not. Ok, allez, on ouvre ces boosters-là. Impact du chaos. Et on commence avec du prix minéral, alors c'est parfait. J'aimerais bien lui faire un deck prix minéral, malheureusement il n'y a pas assez de cartes prix minéral qui existent, donc c'est dommage parce que je trouve les monstres hyper stylés. L'électro-train, ange de mer, marin cesse, bye bye les dégâts. Oh, Vespasius Bête Gladiateur, Gorgone impératrice de l'œil maléfique, héritage du monde, clé du monde, ghoul astral, action magique tour complet. Ok. Bon, alors le Bête Gladiateur c'est cool hein, parce qu'il y a un petit deck Bête Gladiateur qui est... est prévu quand je sais pas, il sera pas joué par moi, donc voilà. Donc c'est cool d'en avoir un petit peu. Alors, collisionneur de suppression, laurier arômage, hein, la base arômage, bulldozer brutal, chenille infinie,
Transcendance Salamandre Grande, Hong Grand Prix Minéral, Évasion des Désenchaînés, Prélèvement d'âme, Bons tout seul, et Dino Luther en pélo martial. Nice. Un petit peu de Dino Luther. Pareil, j'ai un deck Dino Luther aussi qui est... Il est dans les cartons quelque part en préparation, donc c'est parfait. Mais celui-ci, je crois que je ne l'avais pas. Brinégie, Cascade Marincès, Dino Luther Valéonix, Action Magique Double de Verre. Oh, un petit vent béni hier. Yeah. Oh, Miroir des Rêves. Oh, elle est jolie. Alors, celle-ci, je crois que je ne l'avais pas dans le Miroir des Rêves, donc c'est super cool. Danser avec les bêtes, Neige Marincès. Et pour terminer, la carte qui sort, le Dragon Galaxy Spiral. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette chaîne box? Je suis surpris. Je suis surpris parce que, honnêtement, bah alors déjà, le pin, c'est super cool parce que je trouve que les pins, c'est des trucs qui se perdent. Mais je veux dire, on peut les accrocher sur nos sacs, nos vêtements, un petit peu partout et c'est grave cool. Moi, je pense que je vais le mettre sur ma sacoche, peut-être. Je pense que, ouais, je vais le mettre quelque part sur ma sacoche. Les protège-cartes, ben voilà, hein, c'est toujours ça de prix, les petites sleeves. Le petit autocollant, il est un peu space, mais why not? Le Flex Folio, ben, c'est une grosse surprise, hein, parce que je connaissais pas du tout. Et bien évidemment, les boosters plus ben, le sac. Donc, ben, moi, cette chaîne box-là, ben, j'en suis satisfait, j'en suis content. Donc, merci Sharon. Et on se retrouve ben, pour ceux qui suivent les chaîne box chaque mois, donc pour le mois de décembre. Et je pense qu'on aura du lourd pour Noël. Donc, n'hésitez pas à commander. Si jamais vous voulez en prendre juste une, commandez celle de Noël. Franchement, je pense que mon avis, celle de Noël sera la même. J'ai pas été spoilé parce que je refuse d'être spoilé, sinon je vois pas l'intérêt, j'aime bien les surprises, tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, chainebox.fr. Nous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas au like, à vous abonner, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye.